la championne de France du concours général, Elvire Teza, qui va tenter de faire mieux que Ludivine Furnon, ce qui ne sera pas une mince affaire. Le Miami percuté, salto avant carpé pour l'instant. RAS, c'est ça. C'est l'un des moments forts de son évolution. Regardez bien. Musique et rythme. Oui. Elle appuie un peu plus sur la jambe gauche. Et oui, sur Savry. À la réception de Savry, elle était en léger déséquilibre. Beau travail également pour Elvire. Je ne pense pas qu'elle puisse toutefois inquiéter Ludivine, parce que ce petit déséquilibre sur sa série avant n'aura pas échappé au juge, bien sûr. Ludivine en avait eu un aussi, hein, n'oubliez pas. Enfin, ah, c'était... Vous savez qu'en gymnastique, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ne tombent pas. Absolument, mais là, personne n'est tombé. Personne n'est tombé, mais il y a peut-être un problème de déséquilibre commun aux deux évolutions. Ce qui est sûr, c'est que l'acrobatie de Ludivine Furnon a été supérieure, il me semble. Oui. Alors, on va laisser les professionnels les départager. Oui. Et on va vous annoncer la nombre de Karbanenko, parce que je pense que Philippe a joué Karbanenko comme champion de France. Ben, on ne sait pas trop encore. On va voir. On va vous donner ça tout de suite et après, on vous rendra l'antenne. À moins que vous n'ayez... Les juges ont discuté un petit peu. Ah, question d'interprétation, là aussi, de la combinaison du gymnaste. Et la note n'est pas encore sortie. J'allais demander à Philippe s'il n'y a pas des petits mouvements qui ont été remarqués au cours de cette...